Salut, ici Maps. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit concept de pâle bleu. Donc, mets du bleu sur ta pâle, c'est comme ça que je vais appeler ça. J'étais un peu récalcitrante à partir de ce concept-là parce qu'il y a d'autres personnes, entre autres, encore une page, qui a parti un concept de défi estival littéraire, si je me trompe pas, j'espère que je l'ai dit comme du monde. Je vous mets son défi en barre d'information. Mais en regardant ces catégories, je me suis dit que mon défi n'était pas nécessairement en contradiction avec le sien. Je ne voulais pas mettre non plus de temps prédéterminé. Moi, personnellement, je vais faire mon défi au mois de juin. Mais si ça vous tente de le faire au mois de juillet, si ça vous tente de le faire au mois d'août, si ça vous tente de le faire plus tard, allez-y, il n'y a vraiment pas de problème. Mon objectif, c'est vraiment qu'on priorise les lectures québécoises, qu'on mette de l'avant les auteurs et autrices québécoises, et c'est tout. Puis j'ai eu envie de faire ça avec une petite twist d'expression québécoise. Donc si ça vous tente, entrez dans la danse, ça devrait pas être trop complexe. Puis, je suis pas bien... Non, c'est pas vrai, j'allais dire que je suis pas rigide comme personne. Oui, je suis rigide comme personne, mais je n'ai pas de rigidité quant au tag, puis au défi et tout ça. Donc, je vous présente les catégories de « Mets du bleu sur ta pâle ». Je trouve ça très drôle. Vous allez voir, on ne se prendra pas au sérieux. Donc, la première catégorie, c'est « Bien dans mes vieilles chaussettes ». Donc, pour réussir cette catégorie, vous devez tout simplement lire un auteur québécois que vous avez déjà lu préalablement. Par exemple, moi, qui a déjà lu un ouvrage de Michel Jean, pour réussir cette catégorie, je pourrais lire un autre livre de Michel Jean que je n'ai pas encore lu et je réussirais cette catégorie. Là, je ne vous fais pas de spoilers, de divulgateurs. Je vais vous présenter mes lectures pour le mois de juin, le 1er juin. Donc aujourd'hui, je vais juste vous montrer des exemples pour que vous compreniez bien le concept si difficile que j'ai élaboré. La deuxième catégorie, c'est avoir des papillons dans le ventre. Donc pour réussir cette catégorie, vous devez tout simplement lire un auteur ou une autrice québécoise que vous n'avez jamais lu préalablement. Donc, il y a plein de possibilités. Par exemple, moi, je n'ai jamais lu Marie-Jeanne Chaplin-Corriveau. Si je lis ce livre-là dans les prochains mois, ça veut dire que je vais avoir réussi cette catégorie. Par la suite, la troisième catégorie, c'est avoir un coup de foudre. Donc, je vous demande de choisir votre prochaine lecture québécoise, tout simplement parce que vous trouvez que la couverture, elle est belle. Et là, je n'ai pas besoin que vous me fassiez une analyse graphique de toutes les composantes de la couverture, les couleurs qui sont marketing, votre couleur préférée. Si vous la trouvez belle, la couverture, et que vous voulez le lire parce que vous trouvez que la couverture est belle, eh bien, vous avez réussi le défi parce que vous aurez lu un livre québécois dont vous trouvez la couverture belle. Facile comme ça. Quatrième catégorie, attache ta tuque avec de la broche. Pour réussir cette catégorie, vous devez tout simplement lire un livre qui a moins de 200 pages. Donc, vous choisissez ce livre et le défi sera réussi. Par exemple, ce livre-là, il a 142 pages. Donc, je pourrais réussir cette catégorie avec « Ton absence m'appartient » de Rose Aimée Autonne Témorin. Cinquième catégorie, parler à travers son chapeau. Je vous demande de choisir un livre que vous n'êtes pas certain d'aimer. Ça peut être parce que le genre est loin de vos préférences, ça peut être parce que vous avez entendu des critiques mitigées, ça peut être tout simplement parce que vous avez lu le résumé puis vous n'êtes pas certain. Ça peut être la raison que vous voulez un auteur que vous n'avez jamais lu puis ça vous rend un peu anxieux. Par exemple, moi, ce livre-là, sur Goodreads, il y a zéro note. Puis ça fait des années que je suis comme, je devrais juste le lire, tu sais, pour passer à autre chose. Je suis sceptique pour aucune raison nécessairement, mais si je le lis, ben, je pourrais réussir mon défi. Sixième catégorie, tire-toi une bûche! Donc, tu sais, se tirer une bûche, ça veut dire que
venir dans un groupe, être confortable à un endroit le fun avec des amis, du plaisir. Donc, tout simplement, choisir un livre que vous pensez que vous allez aimer ou qui va être réconfortant pour vous. Moi, dans les dernières semaines, là, j'ai tout fini la série, mais j'aurais probablement choisi Fanny Cloutier. C'était un livre que je savais que j'allais aimer, un auteur que vous connaissez, un sujet qui vous réconforte. Vague de même. Septième catégorie, se faire passer un sapin. Je vous propose donc de lire un livre québécois avec plus de 500 pages. Donc, une fois ce livre terminé, vous aurez donc réussi cette catégorie. Et là, je vous ai rajouté trois petites catégories encore un petit peu plus niaiseuses. Si vous décidez, par exemple, de prendre ce défi-là au complet pour le mois de juin, ben vous pouvez choisir les catégories que vous voulez. Vous pouvez en faire une, vous pouvez toutes les faire. C'est vraiment à votre goût. La catégorie numéro 8, c'est « Niaise pas avec la POC ». Ça veut dire que tu choisis n'importe quel livre de ta bibliothèque québécoise, bien sûr, qui te tente et tu le rajoutes à ta pile à lire. En contrepartie, la catégorie numéro 9, c'est « Calme-toi le pompon ». Donc, s'il y a un livre dans votre pile à lire que vous avez pigé puis que vous êtes comme pas certain, ça vous tente pas vraiment, tu fais juste l'enlever de ta pile et le tour est joué. C'est comme deux catégories bonus, tu sais. Et la 10e catégorie, parce que j'aime ça les chiffrons, c'est l'expression « c'est broche à foin ». Je te propose de commencer à compter à la fin de ta bibliothèque et de compter 5 livres et c'est lui que tu devras lire. Et en petit bonus, si ça vous tente de jouer à faire des petits défis bleus, moi je pense que le médium qui est le plus facile c'est Instagram ou ça peut être Facebook aussi. Donc le premier défi bleu, c'est de prendre une photo de vous avec un livre québécois et de porter du bleu, d'avoir du bleu quelque part sur soi. Et le deuxième défi, c'est de prendre une petite vidéo de soi en train de danser sur une musique bleue qui représente bien notre livre bleu. Qu'est-ce qu'on a à gagner? De la fierté! Félicitations! Bravo, vous avez réussi! Mais n'hésitez vraiment pas à me taguer si vous le faites, si vous ajoutez des catégories de manière aléatoire à votre pile à lire du mois de juin, juillet ou septembre. Propagez la bonne nouvelle si ça vous tente d'embarquer dans le fait de rendre sa pâle bleue. Et définitivement, je vous encourage à mettre de l'avant la littérature québécoise. On en a vraiment besoin. On en a toujours eu vraiment besoin, mais encore plus, et plus, et plus. Et sur ce, vous allez voir ma pile le 1er juin. Je vais aussi ajouter des catégories, mélanger des catégories avec celui d'encore une page. Et sur ce, je vous dis, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Écrivez-moi en commentaire si vous allez participer à une catégorie, à toutes les catégories, si vous allez faire deux, trois fois, si vous allez faire les défis. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.